Salut à tous, c'est Liroto, bienvenue dans le Wars Crew de 13. Une fois le général Carrington libéré, on se retrouve donc avec la mémoire qui revient petit à petit. Nous avons éliminé le numéro 20, le docteur Johansson est là. Nous avons surpris une discussion entre peut-être trois conspirationnistes, trois conspirateurs. Nous sommes toujours dans le camp SPADS, toujours faire attention, nous sommes toujours en infiltration. Nous sommes dans le camp SPADS, c'est parti. Il faut planquer le micro espion dans la tente du colonel McCall et supprimer discrètement les gars des SPADS. Regardez bien les bulles. Et voilà, on récupère notre identité. Nous sommes Jason Fly. Regardez, c'est lui, Steve Rolland. Jason Fly. Hey Fly. Je pars en perme ce soir. Ne profite pas de mon absence pour me doubler. Tu m'as peut-être battu à l'entraînement hier, mais ça ne fait pas de toi un héros. Steve Rolland, l'homme dont j'ai pris l'identité. Voilà, ici, il y a quelques... quelques armes à récupérer. Je crois que c'est tout. Prends son arbalète. Là, il y en a en haut, vous voyez. Il va falloir l'éliminer au plus vite et ne pas se faire repérer comme je viens de faire. Attends, voilà. Aïe 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 aïe, il se prend le pilier. Voilà. Parfait. Donc ici, je vais prendre le silencieux. Faut les tuer vraiment très discrètement et ne surtout ne pas se faire repérer ici. Essayez de cacher les corps un maximum. Car ils arrivent à chaque fois en nombre. Et ces niveaux sont assez longs. On va pouvoir entrer dans quelques bâtiments. Ah oui, ici c'est de l'autre côté, on va pouvoir entrer dans celui là-bas. Là, il n'y a rien. Regardez ici. Deux balles dans la tête, document important, une trousse de soins, et là on regarde ce qu'il y a. Par ici, nous n'avons plus rien. Regardez. On peut donc... il y a les camps SPADS, on peut donc aller dans le bâtiment en face. Faire très attention car ils sont toujours sur le qui-vive. Il faut toujours faire très attention et les tuer rapidement, sinon ils donnent l'alerte et c'est donc terminé pour nous. Ici, on récupère l'arbalète. Il faut qu'on fasse très attention car là ils sont beaucoup. Et voilà, il va donner l'alerte et je suis mort. Alors visiblement, ils n'ont pas donné l'alerte. Du moins pas encore. Je crois que je suis très chanceux là. Ils ont pas eu le temps de donner l'alerte. Alors ça c'est énorme ça. Je pensais que c'était vraiment la fin là. On va quand même faire un effort pour cacher les corps ici.
C'est vraiment étonnant. Hein. Mais bon, tant mieux pour moi. Donc voilà, en fait, faut les tuer discrètement. Et bouger les corps un maximum pour pas qu'ils soient vus. Checkpoint, je sauvegarde ici. Je reprends mon arbalète. Donc ici, faire très attention. Voilà, il se disperse. Ah, il m'a vu, mais lui, il ne peut pas déclencher l'alarme. Voilà, c'est un peu faux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a vu? C'est lui. Ouh, tout juste. Juste avant qu'il presse le bouton alarme. Très bien, tout juste. C'est parfait. J'ai plus beaucoup de balles. J'ai plus beaucoup de balles de silencieux, donc... On va y aller. On va y aller à l'arbalète. Donc ici, je vais quand même prendre une trousse de soins. Car sinon, ce serait la mort. Ici, faire très attention car il y a sûrement, voilà, un homme là que je tue. Et qui reste bien tout seul dans son bâtiment, tranquille. Je continue donc ma route par ici. A replanté la tente qu'il utilisait pendant la guerre du Golfe. Ça devrait te donner l'idée de la couleur. Donc là encore faire très attention. Voilà, il faut cacher les corps car là il y a beaucoup de monde. On va attendre qu'ils reviennent. Car là en plein milieu, c'est vraiment pas le bon plan. Sa ronde, à la rigueur, on peut même continuer ici. Essayer d'infiltrer la tente de McCall sans tuer personne. C'est ce qu'on va faire, je pense. Alors, il est de dos. Il est reparti, très bien. On va pouvoir entrer dans la tente, voilà. Ne pas se faire repérer. Ah, ici j'ai pu récupérer des balles, c'est très bien. Colle le micro derrière l'interphone. Hop. Et là on doit aller se cacher. Car là ils arrivent. Regardez comme on peut le voir. Tap tap tap. Ne pas se faire opérer surtout. Messieurs, prenez place. On écoute. Ici numéro 11. Est-ce que vous me recevez? Affirmatif. Numéro 3, parlez le premier. Bonsoir, numéro 1. Le président Galbraith croit toujours à la simulation d'un état de guerre. Et il vient d'autoriser les Spads à encadrer l'armée pendant les grandes manœuvres. À vous. Bien. Numéro 5. De mon côté, j'attends la liste des soutiens financiers de la cour. Numéro 9 me la remettra au Plaza demain. À vous. Numéro 11. Les chargements d'armes arriveront à destination ce soir. Et mes hommes sont impatients de servir la cause. À vous. Parfait. Des nouvelles du numéro 13? J'ai ici son dossier militaire. Je l'ai fait disparaître du Patagone afin de bloquer l'enquête du FBI. Bien. Pour ce qui est du numéro 17, inutile de continuer les recherches. J'ai quelque chose ici qu'il va forcément venir réclamer. La réunion est terminée, messieurs, bonsoir. Donc il y a le dossier militaire qu'il faut que je récupère. Vous avez entendu, ils ont tous des numéros, ils sont tous des conspirateurs. On ne peut rien vous cacher, général.
Voilà, ils sont sortis. C'est dans la boîte. Récupère le dossier Roland si tu veux prouver ton innocence. Faut que je récupère le dossier Roland. Alors où il est le dossier Roland? Où il est ce dossier? Bah il était là je crois, c'est... j'ai récupéré. Alors on va quand même vérifier dans la tente. Suis-je allé trop vite? Peut-être. En fait, j'aurais dû passer par là, je pense. Bon, on va continuer, on verra bien. On va essayer de revoir par là, si. Ah mince. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc là, on fait en sorte de bien sortir. Ici, je sors. Alors, je vais quand même revérifier dans la tente parce que là, ça me perturbe. De pas savoir que je n'ai pas le dossier. Ah non, mais j'ai récupéré un document important tout à l'heure, donc je pense que c'est ça. Allez, on y va. On a quand même caché tous ses corps dans la tente de ce bon vieux numéro 11. Afin de ne pas se faire repérer, bien sûr. Belle surprise quand il va rentrer dormir ce soir. Checkpoint, on peut sauvegarder. Tout juste aussi là. Force de jouer avec le feu, on va se brûler. Hein. Je vais éliminer celui qui est au-dessus là. Parce que sinon il va me faire repérer. Hop, nous allons ici. Ici, des armes militaires. Je tue celui-ci. Je le cache derrière ce bâtiment. Faire attention qu'il n'y en ait pas d'autres. Je vais les ramasser ici. L'arme de celui-ci. Sortir par là. C'est pas par là qu'il faut rentrer. Non, je ne crois pas. Non, non. Il faut justement faire exploser cela. Ah ouh ! Encore une fois, tout juste. Voilà. On va pouvoir rentrer ici. Il faut bien passer derrière le bâtiment. Voilà. Ici, on ramasse de l'artillerie. Ouh.
je tue celui-ci. Et là, je vais pouvoir poser la bombe. Je sors. Et mission accomplie. Ici, je sauvegarde et je vous laisse après avec le Major Jones. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo prochainement. Salut à tous, c'était Leroto. Bye bye.